C'est pas de quoi les gens veulent parler en attendant. Bid war for Sonic Heroes is actually being closed now. So, apologies, hope you got all your donations in. We'll get the final count. J'y joue sur PC ou console. C'est Sonic Génération sur PC et Heroes ça sera sur GameCube. Allo? Ah. Allo? Vous m'entendez? Allo? Ils m'entendent pas. Allô? Ici? Bah si. Ah voilà. Ah bah c'est bon. Très bien. Bon, bah, moi j'étais chaud bouillant pour F-Zero et on m'annonce qu'il y a un énième Sonic fini à la pisse. Bon, très bien. Alors, bien évidemment. Pas de souci. On va faire une pause de 3 minutes, micro off, juste histoire de balancer des pubs. On va commencer à le faire, même si on a un CPM anecdotique en ce moment sur Twitch. C'est juste, ça nous permettra de balancer quelques centaines de dollars en plus des 2500 plus qu'on va donner ce soir si Big B revient aux locaux, mais j'en doute, sinon demain. En tout cas, voilà, comme ça, on aura des ronds à donner également. Donc, on revient dans 3 minutes. À tout de suite, les bisous. À de suite. To donate live during a marathon. Hello? Ouais. Ouais, bon, on est de retour. Il y a peu de gens qui ont des pubs, mais c'est sur Twitch. Il y a moins de ce qu'on appelle le taux de remplissage, n'est-ce pas? Comment dire? Oui! La chance de se faire avoir, n'est-ce pas? Par nos amis, les diffuseurs de publicitaires. Sans qui nous ne serons rien, donc merci encore à Fleury Michon, Cochonou, Vania, Always. Big up. Donc voilà. Marque en plus. Eh bien écoutez, voilà, bon. Les setups sont très très longs, donc si jamais il y a quelqu'un dans le coin, faudra qu'on essaye de prendre ces temps de pause. Ouais. Voilà, vous vous dites, allez, on s'éclate en régie, 3 minutes de pub, et puis voilà, il y aura peut-être quelqu'un, sinon c'est pas grave, ça vous permettra d'aller au cabinet. On compte sur vous.
et à tout à l'heure pour F-Zero. Bon courage. Bah merci beaucoup, hein, tout à l'heure. Pareil. Des bisous. Eh ben du coup, mon cher Garcia, on va introduire Sinosonic Heroes, ouais. À moins qu'il y ait des nouvelles de Cetrine. Non, apparemment, il a commenté jusqu'à super tôt ce matin, en fait, donc... Ok. Il a dit « Prends ma... » Enfin, il m'a envoyé un message en disant « Prends ma place ». Bon, ok, bon, pas de soucis. Donc, tu vas t'occuper de la partie de technique, puisque moi, la connaissance que j'ai de Sonic Heroes, moi, avant tout, bah, si j'ai juste fini le jeu, quoi, c'est... Enfin, j'ai fait toutes les équipes et je suis allé à la fin, quoi, mais c'est tout. Je me suis pas spécialement intéressé au speedrun. Alors le speedrun de Sonic Heroes, donc je crois qu'il va faire que la Hero Story, parce que vous avez à chaque fois plusieurs stories. Donc vous avez soit la Hero Story, la Dark Story, la Team, enfin Team Hero, Team Dark, Team Rose, Team Chaotix et Team Last. Oui. Enfin, c'est enfin, spécial. La Team Last c'est un peu spécial. On va dire, c'est un peu l'équivalent du Last Story. C'est un peu comme sur les 40 heures 2. On vous dira rien ce qu'il y a dedans. Donc lui il va normalement speedrunner, enfin ils vont, parce que je vois qu'il y a Wester aussi. Moi je pense que c'est une race, hein. C'est une race à 4. Ouais, hein. Mais la donation incentive c'était pour... Alors là par contre j'espère que c'est pas du... j'espère que c'est pas la Team Amy qui a gagné, parce que... Ah pitié, pas Big The si Cut. Si c'est à commenter la Team Amy... Big The Cut. Rocky. Ça va être très marrant. Oh c'est en Team Rose je crois. Team Rose. Oh là 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 là, parce que la Team Hero c'est vraiment très spectaculaire, il y a pas mal de glitch. Micro en solo malhonnête. Mais non, je suis là. Mais non, il y a garçon. Malhonnête. Merci mon cher Dimitri. Non mais oh là là, si c'est la Team Rose, mais apparemment c'est la Team Rose. Oh mon dieu. Oh là là. Ah ça va être marrant. Ça va être vraiment marrant, écoute, tu as Big The Cat et Creamy aussi. Oh là là. Non mais j'adore Amy, mais vraiment la Team Rose dans Heroes, ça m'a tellement embêté. T'as la gamine de 8 ans et puis le chat attardé, quoi. Bon. Ah ouais, non mais oh là là. Oh, ça m'a tellement embêté. En plus, j'ai bossé en fait la Team Hero. Je pensais pas qu'elle allait tomber la Team Rose. Bon, c'est pas grave. De toute façon. C'est la seule que j'avais fini, dit quelqu'un dans le chat. La Team Heroes, de toute façon, je vois à peu près les temps. Il y a ben Talon, justement, qui a fait les speedruns dessus, qui l'a fait en 36-21. Je connais pas encore le WR dessus. Je vais aller le chercher. Mais généralement, ce que tu speedruns, c'est soit la Team Hero, soit la Team Dark, quoi. Team Rose. Je pense que c'est un troll de la part des gens qui ont donné. Ouais, non, mais je pense que c'est un troll aussi. Ils ont dû faire exprès. Oh là là. Mon dieu. Ah, on va vraiment s'éclater. Hein. On va vraiment passer un bon moment avec la Team Rose. Ah, du rose partout. Je vais chercher le WR, vous en faites pas. Team de l'amour. Ah, bah la Team de l'amour. Ah, bah oui, alors là, oui, Team de l'amour, oui. Ça, c'est sûr. Ça va? Alors. Mon dieu. Alors je crois que la Team Rose, il me semble, je vois des. Non mais ça c'est très vieux. Quoique. 12 novembre 2014. Oui non, c'est un an ça. Ah la musique. La musique arrive. Ah. Qui a la musique aussi opening? Ça drop. C'est toujours Crash Party, hein, encore une fois. Hein. Ils étaient plutôt doués dans ce qu'ils faisaient, quoi. Exactement. Comme d'habitude, le chat, vous allez nous dire si on est synchro avec vous. C'est ça. Alors, chez moi, je vois Dolby Surround par Logic 2. C'est pareil. Et Sonic Heroes qui arrive, voilà. C'est ça. Donc nous, on est synchro, vous me dites si vous êtes synchro avec nous, sinon on fera un petit pause play. C'est ça. Ready? C'est la Team Rose. Oh là là. All right, so this is ça va être très drôle. Heroes for the Nintendo GameCube
Je vais te laisser expliquer les mécaniques de base du jeu. Alors, donc déjà pour la Team Rose, donc à chaque fois vous aviez un personnage qui était plus spécialisé pour la vitesse, un qui était plus spécialisé pour le vol et un pour la puissance. Et en fait, des fois vous étiez carrément obligé de sélectionner un perso spécifique. Il faut savoir d'ailleurs que la Team Rose c'était un peu la team la plus easy, la plus facile. Voilà, c'est ça. La plus easy. C'est vraiment il y avait pas beaucoup de il y avait vraiment pas beaucoup de difficultés quoi. Donc là bien évidemment il va tout skipper, c'est à dire qu'il va utiliser à chaque fois beaucoup le vol de Crémy pour sauter sur les ennemis et ensuite passer de l'autre côté. C'est crime. Crémy c'est la magical girl qui meurt comme une bouse. Enfin bref. Pardon. Crime, voilà, pardon. Je savais que j'avais fait une erreur. Oh la pauvre, excusez-moi. C'est vrai que j'ai. Mon dieu. Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois que dans la team rose, je pense juste à Amy. Voilà, crime, super. GG. Bon, bref. En tout cas, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais en gros, il utilise le fait d'appuyer sur A plus B, donc c'est-à-dire de rebondir avec Big the Cat pour ensuite avoir l'impulsion de la vitesse avec Amy. Il l'utilise souvent, donc ça lui permet d'être plus rapide. Crime, voilà. Crime the Rabbit. Oh mon dieu, Big the Cat, oui, alors Big the Cat. Hein. Donc forcément, il a des grosses fesses, donc il peut casser les blocs. Parce que c'est un personnage aussi power. En même temps, il est puissant, quoi. Ah non, là, ça va pas aller très vite, hein, par contre. Oui. Ça va pas être. Bah, on va dire que Big est un petit peu moins rapide que Knuckles. C'est ça. Pour faire un euphémisme. Le temps est assez large, c'est vrai, mais c'est ça que je comprends pas. L'estimate est à 1.25 alors que le temps, j'avais trouvé 34.25 de le WR. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais trouvé. Donc, je sais pas. C'est bizarre. On verra. Enfin, on verra. Après, peut-être qu'il y aura d'autres trucs de prévu. Peut-être, ça se trouve, il va faire l'Aero Race. Ou alors, ils vont faire une. Enfin, l'Aero Story. Peut-être qu'ils vont la faire tous ensemble. Bon, on va voir. On va voir. Parce que c'est vrai que la team Rose est pas. Est assez. Se termine assez rapidement. Oui, bah, comme elle est plus facile. Donc là, on va arriver sur Seaside Hill qu'on a déjà vu dans Sonic Generation. Donc pour c'est ça. Ce qui était embêtant d'ailleurs avec la Timo, c'est que t'étais vraiment très aidé. Oui. Mais vraiment beaucoup quoi. À chaque fois, t'étais obligé d'utiliser le vol. Des fois, t'étais obligé d'utiliser directement le speed, le power. Mais t'étais vraiment très. C'est un peu le syndrome, on te prend pour un attardé quoi. C'est un peu ça. Clairement, c'est un peu ça. Alors là, il y avait une mécanique spécifique. Alors ça, je sais pas si vous connaissez, enfin si vous connaissez un peu Sonic Heroes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez des levels à gagner. Et donc du coup, par personnage. Ouais. Voilà, par personnage, et vous pouviez être plus puissant. C'est-à-dire que par exemple, pour Amy, dès qu'elle aura atteint le niveau 3, elle pourra créer une sorte de tourbillon en spammant le homing attack, donc en faisant deux fois A. Et du coup, ça la rend plus puissante. Pour Big the Cat, il sera plus puissant et il aura une attaque, je crois, supplémentaire. Espèce et pour Crémy, elle pourra carrément one-shotter les ennemis. Et donc, c'est le système des niveaux comme ça qui confère l'attaque supplémentaire sera repris dans Sonic Riders un peu plus tard. Ouais. Ah, Sonic Riders, par contre, j'ai pas fait, donc ça et la chose. J'ai énormément joué, mais bon, il n'est pas speedrunné, donc sinon j'aurais sûrement commenté. D'accord. Et voilà, c'est donc vous voyez, les niveaux sont très courts. Hein. Avec la Team Rose, c'est hyper court. À la fin, on fait des câlins à Biz parce que. Oui, enfin, tu rebondis sur son popotin, quoi. Son ventre. Enfin, tu pousses son popote. C'est. C'est magnifique quoi. Alors Froggy ne sera pas là, enfin je crois pas. Non. Il me semble pas qu'il sera là. Donc Froggy, si vous voulez le voir, c'est dans Sonic Adventure. Parce que dans Sonic Adventure, no fake, vous pouvez pêcher avec Big the Cat. C'est ça, c'est l'histoire de Big, c'est Sega Bass Fishing. Mais non, mais c'est ça. Non, mais c'est trop ça. C'est génial. Tu peux pêcher quoi avec Big the Cat. Oh mon dieu, c'est vraiment. C'était une de mes premières remarques quand j'ai joué à Sonic Adventure. Ah bah non, mais première fois, mais moi quand j'ai pêché, j'étais quoi? Sérieux, Sega, si j'avais envie d'acheter Sega Bass Fishing, j'aurais acheté Sega Bass Fishing. Non mais pourquoi tu achètes ce jeu? Tu n'as qu'à jouer à Sonic Adventure, tu as Big the Cat avec la pêche, c'est tellement bien.
Oh mon dieu. Donc là, il skip. Donc vous voyez, hein, il utilise beaucoup Crimey. Je vais y arriver. Donc Crimey. Crime toujours, hein. C'est toujours crime. C'est pas grave. Ouais. Non, y a pas de crime et châtiment. Bon, voilà. Alors, crime. Crime et châtiment, voilà. Voilà. Comme ça, ça a l'air bien. Voilà, exactement. Non, il utilise beaucoup le vol pour skipper à chaque fois une partie des niveaux. Bah, c'est très puissant, hein, le vol. Alors, il faut savoir que quand vous êtes en haut vol, vous avez une barre qui s'affiche. Et si vous allez au-delà de cette barre, vous allez directement tomber. Donc il y a quand même une petite limite. Oula, oula, ouais, c'est bon, c'est GG. Donc en gros, là, ce qu'il a fait. Un power stance. Ah, en gros, ce qu'il a fait, c'est un OOB, mais c'est spécifique. En gros, il s'est mis, si tu veux, tout en haut de l'espèce de plateforme. Il a mis Amy et Crime juste à côté de lui. Et en gros, le jeu n'a pas compris. Et maintenant, il a pas arrêté, si tu veux, de spammer B dans le vide. Ça fait un glitch. Et le jeu ne comprend pas. Et en gros, c'est comme si tu étais sur une plateforme totalement invisible. Et en spammant B, ça lui permet d'arriver tout au bout de la plateforme. Et déjà, il considère que tu es encore sur le looping ou la gravité. En fait, il considère que tu es encore sur le looping. Et en fait, il pense voilà, que tu es sur le looping. Et c'est pour ça que tu vois B qui se penche un peu vers la droite. Quoi. Et lui, il n'arrête pas en gros de spammer sa canne à pêche. Et donc, du coup, ça l'amène beaucoup plus loin. Ah mais c'est très violent hein, dans Sonic Heroes les OOB qu'il peut y avoir hein. Comme quoi hein, GameCube aussi il y en avait hein. Ah oui, t'es aussi sorti moment... sur PS2 le jeu si j'ai pas de bêtises. À partir du moment où t'as un moteur 3D généralement en premier, alors premier là ce boss il va se faire infiniser. Énorme blague, même en casu hein, il est très très facile. Ouais. Mais alors, normalement il va se faire infiniser parce que quand j'avais vu la Hero Story le Egg Walk s'était fait infiniser. Donc je pense que ça va être pareil. Voilà, donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va revenir en arrière pour faire revenir le Eggward, le boss, voilà. Je sais pas exactement son nom. Parce qu'il a une distance, en fait, à laquelle il est. Voilà, c'est ça. Après, il va utiliser le fait d'être invincible. Et maintenant, il infinise. C'est-à-dire qu'il utilise le vol de Crime. Et donc, du coup, il appuie à chaque fois sur B. Et en gros, vu qu'il est invincible, il prend aucun dégât. Et donc du coup, en spammant B sur l'aile rond, ça lui fait perdre énormément de dégâts au boss. Et après, il a plus qu'à faire quelques homing attacks. Et ensuite, bah, il est décédé, tout simplement. Ça, c'est pas si compliqué que ça. Oh, c'est pour le on va coup, dire qu'il y a pire, quoi. Oui, vraiment, clairement. Je pense que le personnage power de la Team Rose, ça aurait dû être le Chao de Crime. Ça aurait été tellement le Chao, il sert à rien, par contre. Bah, alors que dans Sonic Advance, c'est un peu le spammage de boss ultime, quoi. C'est ça. Grand bon, Metropolis. Un stage que j'ai trouvé plutôt sympa visuellement. Même si, bon, là, on le voit plus en Team. En Team Dark quand se met en Team Rose, le niveau plus court dans mes souvenirs. Ah là on arrive sur Chemical Plain. Donc on va faire hein, tous les niveaux qu'on fait que font les autres équipes, sauf que ils sont beaucoup moins longs. Hein. Beaucoup pas moins le dur. Dire mais c'est vrai, hein, ils sont vraiment beaucoup moins longs. Mais c'est dommage parce que je trouve que ça a été un peu bâclé quoi du coup. Hein. Il y avait la possibilité mais ça a été un peu baqué. Donc là ce qu'il a fait c'est encore un homing attack. Donc il a appuyé sur B en ayant beaucoup de vitesse. Il a permis tout simplement de skipper cette phase dans laquelle il devait actionner l'interrupteur et faire apparaître la suite du niveau. Non j'ai quelques freezes, non c'est bon, c'est revenu. Dites-moi si on est synchro le chat, moi je suis à 9 minutes aussi. Ouais, c'est ça. Merci, ouais, c'est 9, bon. 3, 4, donc, ok, nous on est synchro, dites-nous si vous êtes synchro aussi. Donc là, ce qu'il fait, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. En gros, il a utilisé le vol et il a réappuyé sur A au bon moment, enfin, juste avant de pouvoir atteindre l'autre plateforme. Et donc, du coup, ça lui a permis de passer à travers. Et donc, de skipper encore une partie qu'il fallait, dans laquelle il fallait qu'il fasse apparaître un chemin. Apparemment, c'est bon, parfait, on est synchro, impeccable. Donc là, à chaque fois, c'est tout simple, hein. c'est des interrupteurs à actionner. Là, y a rien compliqué, donc à chaque fois, il utilise le boost de Big the Cat. Le fait de rebondir et après d'utiliser, de switcher directement sur Amy.
Donc là, elle va utiliser son marteau, parce que je crois que c'est son arme à Amy. C'est son espèce de marteau. Voilà, son marteau qui lui permet donc de faire des tourbillons. Et donc du coup, si jamais vous arrivez à être niveau 3, vous n'avez plus qu'à faire un Omega Attack et ça voilà. Passe. Donc là, l'attaque spéciale... Et le Team Blast, c'est vrai, voilà. Le Team Blast, donc, jauge qu'on a pas parlé, excusez-nous. Le Team Blast, tout simplement, c'est une attaque spéciale que vous remplissez au fur et à mesure. C'est-à-dire, plus vous ramassez des anneaux, plus elle se remplit, plus vous tuez des ennemis, plus elle se remplit, etc. C'est un peu l'ancêtre du boost. En ce sens-là. Et une fois qu'elle est pleine, ça vous permet de lâcher une énorme attaque des enfers qui défonce tout ce qu'il y a à l'écran et qui fait des dégâts au boss. Exactement. Ah non, Power Man, on dit Bond Spad, on dit pas rebondisseur. Bond Spad. Pitié. Please. Bond Spad, s'il vous plaît. Power Man, please. Oh mon dieu. Donc voilà, il va d'ailleurs notamment pas mal utiliser ce Team Blast, très utile. Next up, we have Power Plant. J'espère en tout cas qu'il va. Il y aura quand même une race entre eux. Enfin, ça m'étonne quand même que Warster soit là parce que je savais pas du tout qu'il speedrunnait ça. Lui, il est plus dans Pokémon et. Il speedrun aussi Golden Sun. Mais bon. Oui. Donc là, ce qu'il est en train de faire Dark Spin Sonic, c'est tout simple. En gros, il utilise encore Crime, son vol. Il va, au début, je sais pas si vous avez fait attention, il a directement volé le plus haut possible pour ensuite atteindre des boosts qui lui permettent d'aller plus haut. Ah, il s'est un peu raté là par contre. Un peu raté, parce que ça lui permet de faire des élévateurs. Il a perdu un peu de temps. Les élévateurs, c'est un peu des autoscrolls, et donc on a profité pour essayer de tout skip d'un coup quoi. Là, t'es obligé. Je ne vais pas rechanter, non, t'inquiète pas. Il y en a plein, j'aime bien celui. Oh non, non, pitié, rechante pas. Ah ouais, maintenant t'as une notoriété, t'es foutu, hein, c'est mort. Oh, t'inquiète pas, j'ai ma notoriété. Gonécro, c'est parti. Quoi. Ah ouais, non, mais. T'inquiète pas, hein. Non, mais vous en faites pas, je ne vais pas enchanter. Vous pouvez rester tranquille. Ah, c'est un gros runner de Sonic. Ah oui, c'est vrai, mais des anciens Sonic, je veux dire de Sonic Heroes, je l'ai pas vu moi. Des anciens Sonic, oui, je l'ai vu, notamment faire du Sonic 2. Mais Sonic Heroes, moi je l'ai pas vu. Je sais qu'il a un de. Je crois même qu'il a le WR sur Sonic 2. Mais Sonic Heroes, alors là, je sais pas du tout. On est un peu en retard sur l'image, putain merde. On nous avait dit qu'on était ça. Damned. On verra. Damned. On verra. Donc la danse de Bing est toujours à la fin des. Mais oui, toujours. Avec le rang A en prime. J'ai l'impression que les scores sont vachement plus basés sur le temps en fait dans Sonic Heroes. Ouais. Donc bizarrement, quand tu finis le niveau en temps record, bah t'as tendance à faire un rang A. Contrairement à Sonic Adventure 2 où c'était le score avant tout, et même si jamais arrivé tôt, ça donnait des points, c'était rarement suffisant pour faire un max score quoi. C'est ça. Qu'est-ce que ça dit? Donc, si jamais on est en retard, vous nous dites. Oui, Dark Spin Sonic. Alors, il faut savoir que Dark Spin Sonic, on a oublié d'en parler. Il fait beaucoup de. Il fait beaucoup lui aussi de Sonic. Tiens, comme par hasard, il fait du Sonic Heroes. Il fait bien évidemment, j'ai envie de te dire du Sonic Heroes. Il fait aussi du Sonic 06. Hein. Il speedrun beaucoup Sonic 06. Parce qu'il y a des gens qui sont maso. Voilà, et j'ai envie de te dire qu'il a même fait un playthrough sur Sonic Boom. Ça fait mal. Je sais pas s'il fera un speedrun, pourquoi pas, mais bon. Oui, c'est vrai que Dark Spin Sonic a le WR et la Team Rose, ouais, en 34-24. C'est pour ça que je ne comprends pas, en fait, Miros, pourquoi l'estimate est de 1h25. Il va y avoir un truc en plus, c'est pas possible. Peut-être qu'ils vont faire, je sais pas, toutes les... Non. Je sais pas, ou alors ils vont faire la Hero Story, parce que l'estimate est d'1h25. Je savais que le speedrun de la Team Rose était très, très rapide. Mais je vois pas, je sais pas ce qu'ils vont faire, en fait, après. Donc peut-être la Hero Story. C'est pas impossible, on verra bien. Mais en tout cas, peut-être que. Il a le WR sur Sonic Boom. Bon, il y a déjà les runs dessus, finalement. Je sais qu'il a montré Sonic Boom et il avait montré déjà énormément de glitch dessus. C'était très drôle d'ailleurs. Mais après, je sais pas. Casino Knights, hein. Ah, tellement stylé. Niveau classique, on va dire, de Sonic.
Exactement, donc là dans ce niveau il a un peu skippé là déjà la phase de Flipper. Donc il a utilisé Big pour casser la vitre et ensuite il s'est mis en phase de vol pour skipper, oula j'ai eu un petit post buff, bon c'est pas grave, pour ensuite pouvoir skipper la majeure partie du niveau et surtout la majeure partie du Flipper et arriver directement de l'autre côté. Fail. Ouais, il a un peu fail, bon c'est pas grave, ça arrive, bon je... Ouais, ça c'est GG. Donc en gros là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a sauté juste au bon moment, puis là en plus il a à nouveau repassé de le... il est à nouveau repassé de l'autre côté de la plateforme, en sautant au bon moment, là encore il a utilisé le boost de Big, en sautant, ce qui a permis de skipper le Flipper et d'arriver, vous voyez, juste à la frame. À la frame de choper le l'anneau final, l'anneau final du niveau. Et ça c'est vraiment joué à rien, ça s'est joué à une frame près. Vraiment. Oh, c'est pas la première fois qu'ils vont faire des espèces de. Non. Bien des évidemment. Espèces de jump comme ça de la mort. Bien évidemment. Donc on verra hein, ce qu'il fera après. En tout cas pour l'instant c'est du c'est la team rouge. On est toujours dans le casino. Ouais. Surtout que cette phase là en Hero Story était bien chiante. Très très fun en casu mais pas en Heroes. Ah oui non ça c'est sûr. Avec la team de base quoi. Ouais. Ça c'est une des rares zones où vraiment le côté easy de la team rose sauve un petit peu le truc quoi. Exactement. Bah il faut savoir aussi que franchement ce niveau là avec la team rose est beaucoup plus facile qu'avec la team Hero ou la team Dark. Hein. Alors là, il faut savoir que quand vous arrivez sur la table de Mingo, faut faire attention, bah si jamais vous allez dans le vide, vous perdez un personnage. Mais je crois qu'avec la Team Rose, c'est tellement simple que tu ne perds pas de personnage. Disons qu'il faut vraiment le vouloir, en fait. Pour mais je crois qu'il n'y a même pas de vide. Hein. Il me semble qu'il n'y a même pas de vide. Hein. Si, il faut sauter, faut faire des efforts. Pour ouais, faut faire des efforts, ouais. Donc vraiment, faut le chercher, alors. Hein. Vraiment, faut le chercher, quoi, parce que... Avec la team Hero, la Team Dark, tu peux... Donc le niveau est très fait vite pour que ce soit, perdre des voilà, personnages, mais pour là, que ce soit faisable, on va dire. Ouais. Et la Team Rose, bon, faut faire des efforts, quoi. Exactement, ah non. Là, faire des efforts dans la loose. Clairement, c'est un peu ça, ouais. Sonic Boom est une honte de tous les côtés, une honte pour la licence, pour Mio, pour le studio. Bah, disons, c'est pas la Sonic Team hein, qui a développé ce jeu. Hein. C'est un studio américain. C'est un studio américain, moi que je connais pas, donc... Disons qu'on alors, a, je on ne sais a, pas on a pourquoi déjà c'est vu, eux qui sont en chargé, mais... On a déjà vu que la Sonic Team était capable de se noyer sous des kilos de coke pour développer Sonic 2006, mais... C'est vrai. Mais les studios américains sont capables de faire aussi mauvais qu'eux, il n'y a aucun souci. Effectivement. on en a eu la preuve. Oui, effectivement. Et là encore un petit OOB qui a été réalisé, donc en utilisant le boost de Big et en clippant la phase que nous avons vue. Ouais bon là à la rigueur tu peux peut-être tomber mais faut vraiment le chercher quoi. T'as pas de coin si tu veux comme dans la team Hero où tu peux tomber quoi. Là ça va quoi. Oh ouais c'est bon ça passe. Ça bon, passe. Il a passé le saut des enfers skip. Bah en gros il a skippé. Là il a skippé à nouveau une phase de Flipper. Qui aurait pu être un peu embêtante, mais voilà, en fait, il s'est jeté dans le vide. Il était juste proche, on va dire, de la suite du niveau, juste vers la droite, et ça a suffi pour continuer. C'est pas si compliqué que ça, quoi. Il faut juste avoir un bon timing, c'est-à-dire à chaque fois, faut que tu sautes au bon moment. Si tu sautes pas au bon moment, par contre, ouais, là, tu vas avoir un problème, quoi. Si ne t'en fais pas, je suis dessus. Je sais plus quand, mais je suis quelque part. Je suis pour Mischief Makers notamment, SMRPG et puis voilà. Bon et Mega Man X3. Bref. Bon jeu, Mischief Makers. Enfin bref. Ouais, très bon jeu. J'avais commenté pour la GDQ d'ailleurs. Voilà, donc là il utilise le Team Blast parce qu'il y a un peu trop d'ennemis, donc des fleurs partout. Ah, vous ne pouvez pas se mailler les fleurs. Voilà, c'est la Team Blast de l'amour. C'est ça. Donc là, on a une phase dans laquelle on doit éliminer chaque ennemi que Eggman nous envoie.
Puisque des fois, soit c'est un gros boss à affronter, soit c'est des, c'est plein d'ennemis à affronter, et là dans cette phase là c'est plein d'ennemis à affronter. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va souvent utiliser le Team Blast pour aller beaucoup plus vite. Bon là il utilise, bon là il a un bouclier, c'est un peu anecdotique, normalement il va y arriver easy. Il utilise beaucoup le vol de crime pour quasiment one shot les ennemis, ce qu'il fait. Il profite du côté c'est ça. Du côté abusé du move, on va dire. Bah disons que niveau 2 c'est largement suffisant avec crime. Oui. Tu vois, et il a déjà fini. Niveau 2, là il est niveau 2 avec crime, il suffisait qu'il balance juste Amy et Big sur les ennemis et ça les one shot. Hein. C'est vraiment... non mais la Team Rose c'est vraiment easy quoi. Pour commencer mais le jeu c'est le mieux. C'est même pas si la tu même dis musique, Team Hero je vais commencer par ça mais non. C'est pas la même musique en Hero ou même en Dark hein, pour le coup. Neuvième emblème qu'il a mais bon c'est ça c'est anecdotique de toute façon. Ah non mais je vous conseille, Mischief Maker, vraiment un très très bon jeu sorti sur N64, mais vous le verrez, je vous le verrai, jeudi, ouais. Il me semble. C'est Mischief Maker de Mega Man X3, c'est ça en plus toi. Ouais, c'est non, ça, c'est et ASM RPG après. Ah c'est vrai. Un Legend of the Seven Stars. Ah mais vous voyez, il en parle de Froggy. Il y en a qui disaient, oh mais il n'y a pas de Froggy. Bah il en parle. Il en parle. On le voit pas, on mais le voit on parle. Pas. On n'a pas à jouer à Sega Bash Fishing. Voilà, exactement. Bien. C'est ça. Soyons honnêtes. C'est ça, c'est exactement ça quoi. Et donc, des passages en rail, et comme dans Sky Rail sur Sonic Adventure 2, et ben quand le rail il est en dessous de là où on est, on peut abuser comme des gros porcs. C'est ça, mais c'est ce qu'il fait quoi. Il abuse et bah, il se. Voilà, il va. Il skip la majeure, enfin une grosse partie en tout cas du rail de la suite. Ah là, il voudrait en fait, ouais, il voudrait avoir un damage qui lui permet d'aller plus haut et de directement arriver tout en haut. Ah, il n'y arrive pas. Il est arrivé, ah, c'est quand chaud. Même. C'est chaud. C'est assez dur hein, quand même à réaliser. Ça, c'est un glitch que je n'ai jamais tenté à la manette pour le coup. Donc je ah, c'est compliqué hein, quand même à faire comme glitch. Il doit encore attendre. Ouais, il faut qu'il attend en fait que Big revienne. Voilà, ouais, parce que ça c'est embêtant. Ah, je suis un petit qui freeze. Ah, il a pas eu. Il a presque eu là. Il a presque eu. Il a failli OB. Presque. Voilà, maintenant c'est fait. Donc en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait exprès d'avoir un damage avec l'un des persos. Et du coup, ça l'a complètement propulsé à l'extérieur du niveau. Et là. Il est quasiment à la fin du niveau, même à la fin. Il est à la fin du niveau, voilà. Il est à la fin du niveau. Il a tout, voilà. GG. Ah, vous pouvez l'applaudir. C'est l'OB. Ah, c'est l'OB ultime. Mais c'est le damage vraiment, boost, il fait un zip en fait. Ça l'envoie. En fait, c'est le jeu qui t'expulse. Qui t'expulse oui, carrément en dehors du niveau, quoi. Ah, il a pris des dommages, vite, il faut l'éjecter. C'est ça. En fait, c'est grâce au damage boost et vraiment en se plaçant juste à côté de l'ennemi, le jeu comprend pas en gros ce qui se passe et il te fait expulser carrément de l'autre partie du niveau. Et là, il va bientôt arriver vers la fin, voilà. Donc là, en gros, là, c'est tout simple. Juste après le checkpoint, il suffisait qu'il tombe dans le vide. Et donc du coup ça lui permet d'arriver exactement à la fin au lieu de rester sur les rails et du coup d'être très d'être plus lent. Voilà, on n'a pas le temps, on va vite et donc du coup il skip encore une majeure partie du niveau. What? Je sais pas ce qui. Non, c'est rien. T'inquiète pas, c'est sur TS. Non mais t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, c'est rien. Just a good enough direction that you can actually see quite a large amount of the stage. Ce niveau aussi qui peut être assez embêtant, mais bon, lui ce qu'il fait c'est il voulait faire en fait un petit OOB, mais il s'est raté. Il va essayer à nouveau peut-être de le faire. Voilà, le petit boost avec Big. Donc pareil hein, vous sautez en même temps et juste après ça vous fait un gros boost et donc du coup vous passez de l'autre côté. Là il va à nouveau essayer de le faire. Il refait le petit Est-ce peu le même passe, voilà. c'est il le refait même... la même technique qu'il avait fait dans le premier le looping, niveau ouais. de la Team Rose. Dans 6 heal. Il refait exactement pareil.
Donc c'est-à-dire qu'il était accroché à la plateforme avec avec Amy et Krim, et donc du coup en se plaçant bien, en ayant l'angle parfait et en spammant B et en inclinant bien évidemment dans la direction qu'il faut, il est en train de tout skipper, de skipper la majeure partie du niveau. Le niveau se load quand même, mais bien évidemment le jeu ne comprend pas trop. Il comprend pas trop ce qui passe, mais dans la GameCube elle doit tellement souffrir. Mon dieu. Ah non, et ça n'a aucun sens, hein. C'est et il faut voilà. Dire que ce genre de glitch, c'est vous pouvez pas le réaliser comme ça de suite, hein. C'est vraiment c'est vraiment très tendu, quoi. Il y a des espaces, mais oui, c'est ça, c'est pour moi, on vient de passer en enfer. On est dans le vide intersidéral à regarder Big The Cat remuer son ventre. Ce qui est ma définition personnelle de l'enfer, je sais pas pour toi, mais. Effectivement. Ah, deuxième boss qui va se faire à nouveau. Qui va prendre à nouveau cher. Deuxième phase, on va dire, de Eggman. Oh, Froggy, on va dire ça va être pareil quasiment que la première, hein, que le premier boss, il aura pas beaucoup le temps de se montrer. Ah, le El Galbatros. Donc là, c'est tout simple. Vous n'avez pas compris, c'est normal. Alors en gros, il a utilisé Big The Cat et il y avait, si vous voulez, un point très sensible sur ce boss, juste en fait tout à gauche. Donc ce boss est en 3 parties. Et en gros cette partie tout à gauche était très vulnérable et juste en ayant Big The Cat et en balançant les ennemis dessus, ça le one shot. Pareil pour la deuxième phase, il a complètement one shot la deuxième partie et ainsi que la troisième partie. C'est juste abusé. C'est complètement débile, hein. Totalement. Attends, quel meilleur endroit pour taper soi... le boss que l'intérieur du boss. Non mais c'est ça, en fait t'as une partie qui est totalement vulnérable. Et donc du coup c'est... Voilà, il l'utilise à fond et ça lui fait énormément de dégâts. Il prend cher et du coup bah il fait les trois phases hyper rapidement. Alors que normalement bah les trois phases se font pas aussi rapidement. C'est assez... Bon, c'est pas assez chaud parce que c'est quand même assez simple de le battre, mais bon là c'est tellement abusé, quoi. Mais pourquoi c'est pas indiqué dans le manuel? Si seulement. Alors dans le manuel vous avez bien évidemment abus de physique encore. Vous avez une physique qui est bizarre, donc vous avez un point sensible que vous pouvez utiliser. Oh mon dieu, donc là encore un pareil en OOB tellement dégueulasse. On profite de la gravité un petit peu. Voilà, tu profites de la gravité. La gravité qui est complètement what the fuck dans ce jeu. Non mais il faut savoir, la gravité de, quand tu joues la Team Rose, c'est vraiment abusé ici, hein. Voilà. Ce qui nous permet de voir que Big le chat chausse du 87. Eh oui, exactement. Là pareil, hein, encore il est en train de spammer B. Il faut savoir pareil, hein, que le niveau se load. Et quand il sera arrivé pile au bon moment, je pense qu'il va prendre directement une espèce de grind. Et il va continuer. Non, vous voyez là, le niveau déjà se load. Mais il a passé déjà la moitié. Hein, il va quasiment arriver à la fin. Hein. Même à la fin, je pense. C'est fou, quoi. Ce genre de glitch, c'est tellement. C'est tellement chaud. Ouais, voilà. C'est la fin déjà du niveau. Ça ne veut rien dire. C'est tellement puissant, c'est OOB, mais bon. C'est du glitch, hein. Et c'est du glitch. Salut, Dingo. C'est totalement legit. J'ai jamais fini ce level anti-méro. C'est vrai que ce level anti-méro pouvait être bien chiant. Bien relou, quoi. Mais l'autre est pire. L'autre est vraiment pire. Anti-méro. Ça, j'avais pété un plomb, par contre, dessus. C'est pas tellement... C'est l'autre jungle. L'autre jungle est vraiment bien, bien chiant. Il est terrible. Le précédent ça va, mais Lost Jungle déjà tu commences un peu plus crisé. Alors déjà, problème, voilà. Non mais j'ai pas le temps, donc c'est-à-dire voilà, que là il est revenu en arrière en se mettant en vol avec Krim. Et donc du coup il a pu passer de l'autre côté. Et comme et il, là, y a un il est looping. Encore à nouveau en train de spammer. Il y a un looping, c'est ah, il a loupé. Ah, bon, il était à deux doigts. Bon, il va refaire, il va retenter. Vous voyez là, il va à nouveau spammer. Ça se joue à rien. Voilà, et vous voyez là, c'est parti, là c'est le spam. Là il est obligé de spammer, là c'est du spam, c'est du spam, c'est du mashing. C'est le mashing abusé. Même la caméra, tu sais, elle comprend pas ce qui se passe. Mon dieu.
It's kind of necessary. C'est vraiment violent. La hein. caméra quoi. Ah non mais la caméra elle comprend vous, plus, elle comprend plus ce qui se passe en fait. Tu vois, non mais c'est un OB totalement violent qui skip tout, mais c'est hallucinant. Par contre il doit bien trouver l'angle hein. Parce que s'il trouve pas l'angle. Alors là pour se repérer c'est assez chaud. Même la caméra tu vois elle voit rien. Ah non. Ah, la caméra elle a un peu troll là quand même. Oui, le gars connaît le jeu par cœur, oui, reste bien plus évidemment. Rapide que faire le niveau normalement, vous vous en doutez. Ouais. Même si jamais c'est pas très agréable à regarder. C'est clair. Bah disons que après il y a deux écoles. Il y en a qui aiment beaucoup regarder tout ce qui est glitch, c'est très impressionnant de faire de clipper totalement le niveau. Mais il y en a qui sont plus de la vieille entre guillemets la vieille école et qui préfèrent que ça soit plus spectaculaire de faire le niveau normalement quoi. Bah moi j'aurais tendance à dire que ça dépend vraiment des glitches utilisés quoi. Ah du coup je sais pas s'il va y arriver. Attention, je crois qu'il a que 2 vies donc faut pas qu'il fasse quand même le fou. Il va le retenter encore. Ouh, il fait un peu le fou. Attention Dark Spin, attention. Mais c'est Big, il a bu un coup là. Ouais, non, il va le retenter encore. Il est reparti pour le spamage. Il faut bien qu'il incline à chaque fois hein. Il faut non seulement qu'il spam, mais après qu'il incline pile à l'angle qu'il faut, parce que sinon, vous avez vu, ça l'a trollé, c'est-à-dire la caméra là déjà est partie complètement en vrille, parce que bah il arrive à un endroit qui normalement ne peut totalement pas arriver ici. À la fin du run, tu regardes la cartouche du jeu et tu dis, je l'ai cassé, c'est ça. Je t'ai cassé. C'est un peu ça. C'est un CD, mais c'est l'idée. Ah, je crois que c'est bon. Ah, il va y être là. Ouais, là c'est bon. Oh, oulala, la caméra, vous voyez, la caméra peut être très troll. GG. GG, parce que vraiment, la caméra peut être tellement troll, tellement t'embêter. Enfin, tellement parce que troll. Quand tu fais un OB, en fait, la caméra, elle essaie de se positionner et de savoir, de calculer exactement où tu te trouves. Mais vu que toi, t'es complètement en dehors de la map, elle devient complètement folle. Et ça peut être très embêtant. Voilà, c'est pour ça que je trouve, c'est pour pas dire que la caméra est troll, elle fait un peu ce qu'elle peut, la pauvre. Oui, bon, non, bah, elle fait ce qu'elle peut, mais bon, le problème, c'est que là. Là, elle est totalement folle et c'est très, bah c'est très chaud quoi. C'est vraiment très chaud de bien retrouver ton angle, etc. Et de bien retrouver, de savoir où tu dois aller quoi. C'est la danse du glitch, c'est ça. Beaucoup de personnes le critiquent, mais Shadow the Hedgehog, j'ai vraiment bien kiffé. J'ai passé des centaines d'heures dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'y ai pas joué, donc je peux pas dire. Mais Shadow the Hedgehog, j'ai pas du tout aimé pour le coup. Ça m'a pas en disant qu'il est moins pire que Sonic 2006 et que Sonic Boom, mais enfin c'est pas dire grand chose quoi de dire ça. Voilà, bah disons que il y avait de bonnes idées, on en parlait justement avant, le fait qu'il y a possibilité de choisir du côté des héros, des méchants ou d'être neutre, mais j'entends Big depuis tout à l'heure, on m'entend, bah oui, bien évidemment. Mais moi, c'est pas un jeu qui m'a attiré, clairement. Moi, j'ai largement préféré Sonic Adventure, Sonic Adventure 2, génération etc. Quoi. Génération, ouais, bien évidemment, mais Sonic the Hedgehog, ça m'a pas attiré sur GC. Franchement. Après, il y en a qui ont aimé, tant mieux. Tant mieux, mais moi. Oui, je suis sûr que tu dois pouvoir trouver des gens qui ont aimé Sonic 2006. Oui, je sais, voilà. Je sais pas comment ils font, mais chacun ses goûts quoi. Non, mais puis même le fait que Shadow porte une arme, je sais pas, je trouvais ça bizarre quoi. Non, mais ce qui est assez paradoxal, c'est que le gunplay est plutôt bien codé en fait. Oui. C'est juste que ça n'a rien à foutre là, enfin. C'est ça, voilà, mais je sais pas, le fait que par exemple qu'ils tiennent une arme, je trouvais ça bizarre quoi, vraiment. Bon, après. C'était comme ça, les développeurs ont voulu un peu changer ça, mais bon. Donc là encore, hein, totalement re-skip du niveau. Donc en ayant la vitesse, il se projette totalement vers la droite en ayant le boost. Et donc du coup, il lui permet d'atteindre un switch. Donc à chaque fois dans ce niveau, ça vous permet d'atteindre des switches qui font que vous allez totalement dans une autre partie du niveau. Et là encore, ce qu'il a fait, c'est qu'il a passé... encore une autre partie du niveau, c'est-à-dire qu'il était sur un rail, il a sauté au bon moment, et donc du coup le niveau était encore en train de load, et vous avez vu que même le ring est à l'envers. En gros, il fallait encore utiliser le switch pour remettre le niveau à l'endroit, pour le mettre dans parce le que niveau, dans, en fait, dans le ce level, soit, quand tu utilisais le switch, le niveau pouvait être à l'envers, et quand tu le réutilisais, il revenait à l'endroit, et donc là...
et le donc là du coup, bah, il était encore à l'envers et donc le ring était totalement à l'envers et il a pas, le jeu même n'a pas compris quoi. Alors je sais pas si l'audio est calé avec nous, je pense que oui. De toute façon nous on est calé, hein. On est à 56, 57 je pense, donc ouais, c'est ça. C'est bon. On est bon nous. On verra bien s'il faut refaire un post-play. Donc là, dans ce niveau, les Switch font apparaître soit des nouvelles plateformes, soit des nouveaux ennemis. Ils utilisent beaucoup, hein, beaucoup encore le boost de Big. Ah, le WR a dépassé, oui. Bon, ça c'est normal. En même temps, c'est normal, c'est du direct. Il a l'air calé avec vous, bon bah tant mieux. Ok, bon c'est parfait, donc normalement on n'a pas de décalage. Ah, il faut savoir aussi que dans ces phases-là, si jamais t'arrivais à faire moins de 10 secondes ou moins de 20 secondes, tu pouvais gagner un niveau. Donc ça pouvait être, bah, ça pouvait être quand même utile pour la suite. En l'occurrence, c'est pas un besoin urgent. Non, là c'est pas un besoin mais bon. Urgent, mais ça pouvait quand même t'aider quoi. Donc là pareil encore, hein, le boost de Big qui lui a permis de skipper encore cette partie où normalement dans laquelle vous deviez utiliser chaque interrupteur, changer le chemin que vous vouliez pour arriver de l'autre côté et arriver à l'anneau final. Ah, et enfin troisième combat avec okay. Oh quoi? The glitch. Oh celui-là, là je là le connais ce pas. Glitch. Le glitch de la décapitation. Oh mon dieu. En fait, il y a tous les corps qui sont au même endroit. En gros, il y a flying fuck. Ah, c'est tellement puissant ce qu'il a fait. Alors, je sais pas trop comment il a réalisé en fait. À mon avis, c'est pas un glitch puissant. Qui est utile dans le World Record puisque je ne l'avais jamais vu. Je l'ai jamais vu en fait ce glitch dans le WR, mais. Après, je sais pas si est utile, c'est tellement puissant quoi. En gros, on a vu juste la tête d'Amy. Simplement, on a vu qu'ils arrêtaient pas de tourner. Donc, c'est sûrement grâce à un input spécifique qu'il a dû faire. Mais bon, dites-vous que ça sert à rien hein. Pour la suite là. Oui, là, ça n'a pas direct skippé, si vous voulez la suite, hein, c'est juste pour le swag. Donc là, bien évidemment, encore le Team Blast qui est utilisé souvent, surtout dans cette partie pour lui permettre d'avancer. En plus, il va à nouveau avoir le Team Blast régénéré grâce à cette IA. Et donc, ça va aller très vite, ça. Ah bah, oui, non, là... voilà, bah c'est déjà terminé, c'est déjà terminé. Non mais faut savoir, voilà, tu vois qu'avec la Team Rose c'est beaucoup plus simple. Hein. Donc en plus, vu qu'il skip la majorité des niveaux, c'est clair que c'est très très impressionnant. Et on va être déjà bientôt vers les derniers niveaux. Eh oui, quand on fait les niveaux en sautant partout, ça va vite le run, hein, mine de rien. Give back Froggy. Ah j'avoue. Ça manque de Froggy. Ça manque vraiment de Froggy. Ouais, on arrive déjà vers les derniers niveaux. Egg Fleet. Un niveau ouais, qui est assez, assez réminiscent de pas mal d'autres niveaux d'Ancien Sonic, pour le coup. C'est ça. Et Flying Battery Zone dans Sonic & Knuckles, et dans Sonic Adventure 1, le Egg Carrier, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, exactement. C'était, en gros, WR impossible si on n'utilise pas les glitches, quoi. Salut, Kuro, des bisous. Il y a plusieurs catégories, là c'est du any% en glitch, mais je suis sûr qu'il y a des catégories any% glitchless qui doivent exister. Hein. C'est pas parce qu'en fait il fait des glitches que vous devez les apprendre, etc. Il y a beaucoup de speedrunners qui le font mais sans glitch. Hein. Il y a différentes catégories. C'est ce qu'on vous a expliqué, il y a différentes écoles. Il y en a qui préfèrent le jeu totalement glitché, il y en a qui préfèrent le jeu non glitché, et juste, on va dire entre guillemets, et juste avec plus de skill et faire tout le niveau. Ça dépend, il y a deux écoles quoi. Là, il va encore à nouveau refaire le boost qu'il avait le fait damage la boost, dernière fois. Du ouais, jump damage des boost. Enfers, et après, tu vas avoir ce fer complètement éjecté de l'autre côté. Voilà, et hop là oui. C'est fou, hein. Non, mais c'est fou.
ce damage boost là qu'il a fait, qui le fait complètement aller de l'autre côté de l'écran et qui va l'amener tout simplement sur la le dernier porte-avions. Voilà, ça le fait passer totalement à travers. Ah, il s'est un peu raté. Bon là par contre cette phase là avec l'espèce d'hélicoptère, c'est ça, il peut pas le skipper. Enfin l'hélico, hélice vite fait. Ça il peut pas le. C'est un truc un peu legit, on va dire, ce qui change dans le speedrun pour le coup. Ouais. Mais c'est vraiment impressionnant de faire ces glitches là, putain. Le jeu, tu sais, le comprend rien, même la caméra se dit mais il est où? Oui, il faut que je le retrouve, il est où, mon dieu? Ah là là. Bah, il utilise beaucoup, hein, beaucoup le vol de crime pour passer des phases qui peuvent être un peu embêtantes et un peu trop lentes. Ah, le boost de Big qui lui permet de passer à travers les décors. Là, il utilise à nouveau le vol de crime pour sauter sur le canon pour après atteindre la plateforme plus en haut. Et ensuite, il fallait tabasser les gens. On atteint la fin. Voilà, les deux types de speedrun sont sympas, mais ceux sans glitch sont plus sympas quand tu en regardes beaucoup, moins chiant à regarder car ça demande plus de skill. C'est vrai. Mais ça n'empêche, faire des glitches aussi, ça demande certains beaucoup glitch, de skill. Il faut être sacrément skillé pour les sortir. Quoi. Ça dépend complètement. Après, pour le viewer, c'est vrai que souvent le sans glitch est plus intéressant. Voilà, de dire que ça demande plus de skill. J'irai pas jusque là quoi. Disons que les glitchs, il faut quand même les bosser. Tu peux pas faire un glitch comme ça direct ou un OB comme ça direct. Il faut vraiment t'entraîner. Parce que quand tu vois ça, tu dis ah ouais, c'est facile, je peux y arriver direct. Non, non, il faut vraiment beaucoup d'entraînement avant d'y arriver. Et c'est pour ça que quand on fait du speedrun, alors que ça soit en 1%, 100%, etc., que ça soit en glitch ou pas, il faut bosser. Il faut bosser. Et notamment si vous voulez faire des speedruns en live, moi je vous conseille d'abord de bien vous entraîner et puis après pourquoi pas de faire des runs vous aussi, de vous lancer dessus. Il y a beaucoup de runners qui peuvent vous aider dans n'importe quel jeu et c'est un vrai plaisir hein, qu'ils ont à vous aider, donc surtout n'hésitez pas. Mais voilà, si jamais vous ne voulez pas faire de glitchless, faites du glitchless et ça marche. Il y a des catégories. Il y a des catégories qui existent, hein. Il n'y a pas de souci. Bon, il y aura peut-être moins de gens dessus, mais ça existe. Hein. Vraiment, bon, ça existe. On n'a pas beaucoup parlé du niveau, mais bon, là, on vient d'assister à un certain temps. Bah, c'est encore le même. C'est encore le même que Seaside Hill. C'est pareil. Hein. Il skip encore la majeure partie du niveau. Encore en spamant B quand il est en l'air et en inclinant bien l'angle et en se positionnant bien pour faire apparaître la suite du niveau. Parce que bien évidemment, si tu fais ça mais que tu vas trop à gauche ou trop à droite, tu vas pas faire apparaître le niveau. Tu vas aller dans le vide. Donc il faut bien faire attention à ça, bien savoir exactement où le niveau se load, etc. etc. C'est pour ça qu'il faut vraiment déjà bien connaître le jeu avant de faire ce genre de glitch quoi. Je stream pas sur la TV2, j'avais dit que je ne streamais pas cette semaine. Je sais pas si je vais me faire taper sur les doigts. Pour des raisons évidentes. Voilà. Donc, ça se trouve, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais bon. Mais en tout cas, je pouvais pas parce qu'il fallait que je commande Sonic Heroes aussi. Donc je ne pouvais pas, vu que mon émission était à 17h, ça n'était pas possible. On verra pour samedi. Il y a le temps. Oui, allez, on arrive au Egg Emperor. Alors lui, tu vas voir, c'est tellement puissant ce qu'il va faire. Oui, parce que moi, quand je l'ai battu, bon, autant il est pas non plus ultra difficile. Regarde bien. Se le faire. T'es juste abusé. C'est très puissant ce qu'il va faire. Voilà, et regarde, là, il arrête pas de spammer B, et voilà, time. Pas time. Voilà, si time, 43-52. Donc en gros, je vais t'expliquer, il a fait un damage boost, donc t'as vu qu'il a perdu des rings. Mmh. Et après, il a spammé l'attaque de crime en utilisant B, parce qu'il était vulnérable. Son corps, entre guillemets, était vulnérable, il y avait un point sensible. Et donc du coup, il a totalement démoli le boss, alors qu'il y a plusieurs phases, hein, normalement. Oui, t'as ça, le bouclier ça, déjà je me souviens, à faire tomber, t'as le boss, enfin la grosse partie du boss à faire tomber, mais là... En utilisant ce damage boost et le fait qu'il soit vulnérable maintenant et le pouvoir de crime, ça fait mal. GG.
GG Easy. Alors qu'est-ce qu'il va faire de l'exhibition, j'ai entendu, genre. Et y'a Froggy à la fin. Ah no, ben voilà, y'a Froggy, vous voyez, ils ont retrouvé Froggy. C'est beau. 44-07 hein, quand même. C'est propre. C'est très propre. Disons que c'est un... Le world record, je sais pas exactement combien il est, mais... Ah, il a... Là où il a perdu du temps, c'est qu'il a raté quelques buts, je sais pas. Ouais, ouais. Mais non, mais il va y avoir d'autres trucs qui vont être faits. Hein. Je crois qu'il va me sûrement faire montrer d'autres glitchs. Ah oui, d'autres clips. Un glitch showcase. Ah non, c'est Warster qui va jouer, tiens. Ils font une team chacun, peut-être. Non, ça serait trop long. Ça serait trop long s'ils font une team. C'est censé avoir F-Zero quand même. Non, parce que... Là, c'est Warster, tiens, qui est à la manette, on va voir ça. Il va faire... Ah, il va faire la team chaotique alors, hein, peut-être, non. Change, il va dans le change. Donc là, je sais pas hein, ce qui va se passer. Ah, je sais, il va peut-être montrer le glitch dans Casino Park. Ah, il va montrer le OB dans Casino Park. Normalement, il va faire ça. D'après moi, il va faire ça. Bon, là, il s'est un peu raté. Là, il s'est raté. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tuer ses personnages. Et ça, et ce qui fait ce que. Voilà. Et ça le fait aller très très haut dans le ciel. Normal. Le clip de la mort. C'est ça. Wouah, j'ai jamais vu! Ah oui, il touche la zone de. Ah, il touche la zone, et là, en gros, il va avoir. Ah, il est en. Ah, c'est énorme! En gros, il est tout le temps dans la machine. Et en gros, il va avoir à fond, il va avoir tout le temps des Infinite Ring. il fait le team blast. Oh mon dieu, quoi. Oh, c'est tellement puissant. Et il termine le niveau. Ça veut rien dire. Ça veut tellement rien dire. J'avais jamais vu ce glitch, par contre. C'était un autre que j'avais vu. Waouh! En fait, il était en fait dans la roulette à l'infini et il gagnait tout le temps. Ce qui n'est pas possible, bien entendu. Non, ce qui n'est pas possible. Non. Vraiment puissant, quoi. Il va montrer encore autre chose. Oui, a priori. Ouais, je pense qu'il va retourner dans le niveau. Ah non, il va dans ses sidelines. En fait, pas juste après, ça va être F0 que vous attendez tous. Vous en faites des pas. Commentateurs que vous attendez tous. Exactement aussi. Est-ce qu'il va faire là? Apparemment, il y a un hit de bref qui dit sur le commentaire US, il a une frame pour faire un truc. Alors, je sais pas quel est le truc en question, mais... Ah, peut-être skipper à nouveau le niveau avec la team Chaotix. Ah oui! My god! Voilà, en gros... En gros, je sais. En gros, il appuie, il lance ses personnages, et en gros, avec une frame, il peut avancer... Il peut avancer sans pour autant que ça lui consomme sa jauge de vol. En gros, je crois que c'est ça, mais ça joue à la frame près. C'est pour ça qu'effectivement il disait que c'était à partir d'une frame. On veut des pubs. Ah oui, non, mais les pubs je peux pas mettre donc. C'est pas nous qu'on vous en aurez, vous en faites pas. Donc là, il va montrer quoi, la Team Rose? Un combat contre le boss, en fait. Ouais. Pas contre le boss. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il fait du pause buffer. Je sais pas quel glitch il cherche à faire, mais... Je sais pas trop ce qu'il... je sais pas trop ce qu'il cherche. Attends, pause buff? Non, il va reset.
Ah, too far away, damn it. Infinity explosion. Yeah. While we're in the middle of the glitch exhibition, can we get a roll call, please? Roll call. Okay, il se présente. Pourquoi le timer est arrêté? Parce que tout simplement c'est fini, hein. Le run est terminé. Là, ils sont en train de troller sauvagement avec le. Là, maintenant, ils montent des glitchs. Like, they're trying to see what's going on too, you know? Like, they want to see what's happening. Bon, là, ils s'amusent juste, hein. C'est pour juste pour le fun. En attendant, F0. Voilà, c'est pour vous montrer des glitches, voilà, qui fait ça, et en plus c'est Warster, hein, qui le montre, c'est la classe. Je savais pas du tout, hein, que Warster c'était intéressé à faire des glitches dessus. Ah, il arrive pas à faire ce qu'il veut. Peut-être être impulsé tout en haut, impulsé pardon, tout en haut, tu sais. Ouais, c'est probable, mais vraiment être jamais fait le Quoi? Oh putain. Attends, en ayant fait plusieurs pauses buffer, en gros. Il a one shot. Il a one shot le boss et ça a terminé la mission en 1.38, ok. Waouh. Tu m'étonnes qu'il a le rang là, hein. Ah bah oui, forcément, oui, en 1.38, c'est violent quoi. Waouh, ok. Mais c'est des trucs, je découvre quoi, c'est violent. Là, il va vous montrer avec la Team Dark sur Bingo Highway. Oh ça. Ah non mais c'est violent, hein. Vous pouvez applaudir, bon mais c'est Warster, hein. Ça m'étonne pas, lui aussi il taffe énormément les jeux. Mais je savais pas qu'il taffait Sonic Heroes concernant du glitch. C'est intéressant en tout cas, tant mieux. Alors qu'est-ce qu'il va faire là pour la Dark Story? Il est nu, il a pas le rang S. Remboursé effectivement. Montrez-nous le boss final, mais tellement il faudrait la musique du boss final. Oui, avec et là, on l'aura pas, on la verra pas. On la verra pas. Non, malheureusement, on la verra parce qu'il pas. A la méga classe. Ah, j'avoue, le boss de fin. Cool. Ah, ça aurait été cool de l'entendre, mais ça ne sera pas possible. Oh, GG ça, GG. Donc en gros, en faisant. Alors, qu'est-ce qui. Ah, je sais! Il va montrer ce glitch là. Ok, donc je vois ce que c'est. Donc en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre juste là, se mettre en formation triangle, faire tomber, tu vois, Shadow et Rose. Rouge. Et, tu vas y arriver, c'est pas grave. Oui, je vais y arriver. Non, parce qu'elle fait du. Voilà. Parce qu'elle est rose, donc forcément. Voilà, Shadow et Rouge. Voilà, donc là ils sont tombés, non. Si c'est bon, là normalement ils sont tombés. Donc après ce qu'il va faire, c'est qu'il va rebondir. Il va attendre. Voilà, il va attendre de monter et descendre. Et vous allez voir qu'à un moment précis, il va être envoyé de l'autre côté de l'écran. Et vous allez voir qu'il va skipper tout le niveau. Faut encore attendre, faut attendre un timing précis. Hein. Pas encore. Ah, il était pas, non, il pouvait pas. C'était non, c'était mal positionné. Là, il va retenter. Je crois que c'est Dark Spin qui tente, non? Non, c'est pas Dark Spin qui tente, je croyais que c'était lui. Je me souviens qu'il s'était entraîné, hein, sur ce glitch. Après je sais pas s'il va y arriver. Il est assez chaud, hein, à réaliser. Ça se joue vraiment à rien du tout. Parce qu'après en fait vous allez être expulsé de l'autre côté du niveau. Vous n'allez rien voir. Et il faut en fait bien trouver l'angle. Parce que si jamais vous trouvez pas l'angle, vous allez mourir. J'avais vu sur son chat qu'il fallait à chaque fois qu'il aille un coup vers la gauche, un coup vers la droite, et après qu'il tombe. Sinon, sinon en fait, ça servait à rien. Mais vous allez voir, à un moment, vous n'allez pas. Voilà, ça y est. Voilà, il a réussi.
Et là, tu vois, il a. En fait, il a repris Rose. Le jeu a considéré qu'il était totalement à côté. Qu'il était totalement à côté, hors du niveau. Et là, maintenant. Ben voilà, il est hors niveau, là le niveau se load, mais là il faut qu'il fasse attention à son positionnement. C'est pour ça que tu le vois bouger un peu vers la droite, un peu vers la gauche. Voilà, donc c'est Dark Spin Sonic qui, c'est bien ce qu'il me semblait, c'est lui qui utilise ce glitch, puisque c'est lui qui l'a découvert. Et j'ai vu que c'était entraîné sur son Twitch. Vous voyez là d'ailleurs le niveau se load, là c'est bon, là il est bien, il a l'angle qu'il lui faut. Donc vous voyez, il a incliné un coup vers la droite, un coup vers la gauche à chaque fois, pour que le niveau se load. Là il a bien maîtrisé et voilà, il arrive directement à la fin. Magnifique. Vraiment magnifique. C'est très très puissant ce qu'il a fait, c'est fou. C'est fou. Et je me souviens que sur son Twitch, il avait du mal, le fort. Ouais, c'est casino, pardon. Hein. Ah non, mais là c'est vraiment très très puissant ce qu'il a réussi à faire. Est-ce qu'il va encore montrer quelque chose? Ça je l'avais vu. Je sais pas quand est-ce que... Ah mais il faut savoir que Dark Spin Sonic cherche beaucoup de glitch, hein, donc ça m'a pas étonné qu'il en trouve un sur Sonic Heroes. Après il retourne sur Cissadil. Qu'est-ce qu'il va faire de dessus? Sûrement peut-être encore un OB, peut-être un glitch, on va voir. Je sais pas en fait comment la GameCube tient. Oui, c'est au bout d'un moment le processeur. Ou la Wii, je sais pas s'il passe sur Wii peut-être. Pour ça, pour le coup, on voit pas en plus sur la nage. Non, ça on peut pas le voir. Donc là, il a pris la team Hero. Je sais pas, là ce qu'il va faire là c'est. Ah oui, je sais! C'est pour spammer le pouvoir de la Team Blast, c'est ça non? Qu'il va faire? Alors, je t'avais, comme je t'ai dit, moi j'ai juste fini le jeu. Il me semble que c'est ça, parce qu'à un moment il l'a fait là. Voilà, c'est ça. Donc en gros, ce qu'il fait, c'est que quand il se met en formation vol, et avec un timing très précis, en appuyant à nouveau sur B plus A, vous allez avoir une espèce de. Vous entendez un truc comme ça, et en gros, c'est comme si tu spammais ton attaque à l'infini. Et du coup, ta jauge de blast va être entièrement, va être très très vite, très très vite, très très vite rechargée. J'ai l'impression que c'est ça qu'il a voulu vous montrer. Moins que ça soit autre chose, on va voir. Voilà, non, ouais, c'est ça. Tu vois? T'as vu comme la jauge se remplit vite? J'avoue. C'est en gros en spammant, mais très très rapidement, avec juste un input. Mais c'est très, c'est quand même assez chaud, c'est vraiment chaud à réaliser. Hein. Là, tu peux pas le faire, comme ça d'un coup. Il faut de l'entraînement, mais c'est tellement puissant, ça te permet de recharger ton Team Blast, voilà, en 4 fois et c'est bon. J'ai entendu qu'il avait fait un shortcut. Montrer d'autres trucs. Peut-être, ouais. Il va peut-être montrer un dernier. Non, il va montrer peut-être un dernier. Ils sont pas encore disposés à faire du F-Zero. Hein. Oh, ils ont on verra le Team Rose. On aimerait bien vous laisser la place voilà. Aux autres, mais les runners ont pas l'air décidés de leur côté. Quoi. Ah, mais ils veulent à tout prix montrer les glitches, mais c'est bien hein, parce que c'est très spectaculaire. Hein, les glitches il y a marqué Next F-Zero Climax 28 minutes. Vient d'avoir marqué là sur le stream. Effectivement. Damned. Est-ce qu'il va faire un post-buffer? Ah non, il a raté. On va encore pour un nouveau skipper le niveau. Which I'm going to be heading over to Casino Park to showcase that. But there is a. Il va encore montrer un truc, Casino Park cette fois. The route that I took in my speed run is the more consistent route. There is actually a. F-Zero va arriver. Genre, ne vous en faites pas dans quelques minutes. Pretty much you'll have the same exact. Ça va arriver. Bah, il a raison après Dark Spin Sonic d'en profiter.
Ça fait plaisir aux gens, je pense que le chat est taillé. J'ai l'impression qu'il y a quand même de l'impatience pour F-Zero là. Oui. Mais ça va arriver, ça va arriver. On pourra pas meubler pendant des heures. Hein. Ça va arriver. Non mais disons que là, bon là par contre on n'est pas préparé du tout à ça. Je savais pas qu'il allait présenter les glitches. Toi tu les connais pas tous et moi je les connais pas. J'en connaissais quelques-uns mais arrêtant des trucs comme ça. Dia ? Non ? Non, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Alors il y a des trucs que je connais pas, pas du tout quoi. Je savais pas surtout qu'il avait présenté ça. S'il avait présenté les glitches, bon j'aurais pu. J'aurais pu éventuellement plus me renseigner. What the ? Ok. Attention, caméra vomitive. Mais très bien, mais oui, mais pourquoi pas. Alors, en gros, ce qui s'est... Ok, non, mais très bien. Alors, en gros, d'après ce que je vois à l'écran, c'est qu'il a totalement skippé le niveau en utilisant Amy et en utilisant l'attaque de Amy avec le marteau. Donc, du coup, il a été complètement dans le vide et puis après, il a été complètement projeté de l'autre côté. Ah cette texture mon dieu. Magnifique. Le big a mangé son pied. Voilà. Ah magnifique. Oh là là, oh la texture mon dieu. Ah magnifique. Merci Big. Ah là il est en train vraiment de s'éclater. One interesting thing is that with the infinite spinning hammer attack, like I said, you ignore death planes. Donc là, il va montrer Egg Emperor, le boss. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire dessus? On lui a coupé ses jambes, ouais. Ça veut rien dire. Continue à léviter quand même, ce qui est ultra balèze. C'est ça. Exactement. Qu'est-ce qu'il va montrer cette fois-ci? Donc là il va à la deuxième partie du niveau. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Waouh, ok. Oh mon dieu, il va tout en bas. Waouh, ok, d'accord. Il est complètement passé à travers le décor et en spammant l'espèce de tourbillon de marteau avec Amy. Il est arrivé dans un endroit dans un endroit impossible à atteindre. Et là, il est en train de remonter, je crois, j'ai l'impression. Oui, oui, bon, on voit les rings là. Ça. LOL! Même la caméra, tu vois, elle remonte tellement. On sait pas où il est, quoi. Ah, c'est puissant. Donc, vous pouvez voir hein, quand même qu'il y a beaucoup de. Le jeu est beaucoup de. Là, il y a le boss qui apparaît! Bonjour, je suis toujours là. Et t'as le boss qui apparaît comme ça? C'est n'importe quoi. Et en vrai tu meurs comme ça. Ah il s'éclate bien Dark Speed Sonic. Il s'éclate bien. Oh mon dieu. C'est impressionnant hein, tous les glitches qui trouve Dark Speed. C'est vraiment un speedrunner que je vous conseille bien évidemment de suivre hein. Il trouve beaucoup de glitches. Et sans nul doute, il va me trouver sûrement beaucoup de glitches sur Sonic Boom, donc n'hésitez pas à le suivre, c'est vraiment très Dieu intéressant. Je sais s'il y en a. Ouais. Vu qu'il y a même des gens qui cherchent pas à en trouver qui en trouvent, donc. C'est ça. Non, mais c'est vraiment en plus. C'est tellement ça en plus, donc. Non, mais en plus, très très sympa Dark Spin Sonic. Très très bon speedrunner. N'hésitez pas vraiment à le suivre. Dark Spin Sonic sur Twitch. Il va faire là. Encore à nouveau passer à travers le décor. Pour changer. Voilà, donc là il passe déjà à travers la porte grâce au boost de Big. Là il spam le Team Blast. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Donc là il utilise le Team Blast. Ok. Ah oui, il faut savoir que le Team Blast de la Team Rose, ça te permet d'obtenir un niveau gratuit pour chaque perso. C'est craqué. Hein. C'est vraiment cheaté. Donc il va attendre voilà, d'obtenir le Team Blast, il va le refaire. Wow, ok!
Oh what the fuck. Alors attends, en gros il a utilisé le Team Blast au moment, donc il a appuyé sur Z, puis après il a appuyé sur B, sur l'espèce de plateforme là, qui et en gros ça l'a fait amener dans le vide, et le Team Blast étant pas fini, t'as l'animation qui continue à l'infini dans le vide. Donc on est coincé dans le Steam Blast de l'amour. Voilà, t'es coincé, tu peux plus avancer, tu vois. Mon Dieu, il y a trois robots à fond, ouais. Regarde, je crois que ça va s'arrêter là. Ah, c'est magique. Ça veut rien dire. C'est magique, mon Dieu. Et je crois que ça va s'arrêter là, effectivement. Et ben voilà, donc on a commenté ce bloc Sonic. Plus longtemps que prévu. Plus longtemps que prévu, oui. Effectivement. Que désolé, je connaissais un peu moins bien Sonic Heroes que les deux autres. Non, bah pas de soucis. T'as été sympa déjà de m'accompagner dessus. Et c'est aussi tout existe. Moi, de toute façon, j'étais plus préparé à Team Hero, j'avoue aussi, mais bon. Allo ? Ah, re-MD. Re-MD. Oh non, pas lui. Donc merci beaucoup, on va cut le stream, juste le temps de le rebooter et de rehausser la qualité, mais aussi il faut le reboot plus ou moins toutes les 24 heures pour éviter qu'il se désynchronise trop et qu'ensuite le PC explose. Donc on revient dans quelques temps avec RealmeUp, merci beaucoup encore à vous deux. Pas de problème, un plaisir, à la prochaine. Et au plaisir donc. Ouais, au plaisir. À tout de suite, à plus tard, des bisous. Des bisous, aime. Et faites des dons. Faites des dons, que la force soit avec vous, voilà. Que le mouton. Bourré. Allez, bourré. Bon F0. Ciao, ciao.